dans votre émission Spatialo avec moi, Josué Bolo à l'international, qui encore dans vos petits écrans, que nous puissions encore, n'est-ce pas, réfléchir ensemble sur ce qui se passe au fait dans notre pays, la RDC, République démocratique du Congo, qui aujourd'hui, presque, on est presque vers la fin du 8e mois, il n'y a pas encore eu de gouvernement qui, selon les spéculations, il y a au moins, il y aurait dû publication bientôt là, à la fin de ces mois ici, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'il y aura vraiment la confirmation de ces gouvernements. À ce que nous savions, nous sachions et que il y a au moins 65 ministères qui sera, qui feront 65 ministères qui feront partie de ce gouvernement de notre président, son excellence président Félix Tshisekedi. Mais j'aimerais juste vous jouer un clip en collaboration avec la régie pour avoir une analyse venant d'un ancien membre de l'UDPS, n'est-ce pas, qui selon lui manifeste un peu ses mécontentements quand il s'agit de l'accord entre présent Félix Tshisekedi ainsi que M. Joseph Kabila, et il a essayé un peu de pousser plus loin ses analyses, pourquoi ce retard de l'établissement du gouvernement en place. Alors suivez ces clips et puis nous allons revenir après pour un peu plus d'analyse pour savoir si réellement il a raison, il n'a pas tort, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit, ses analyses, que pensez-vous de cela? Suivez, il a été reçu sur le plateau de RT, la chaîne internationale des informations. Suivez. Et puis nous allons revenir après cela. Bernard Kabeya, opposant et ancien représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous comment est-ce que la République démocratique du Congo est parvenue à rester plus de 7 mois sans gouvernement? Est-ce que c'est courant comme situation en RDC? Merci beaucoup de votre question et surtout de l'invitation sur votre plateau. Je pense que si nous regardons très bien les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées, cela illustre bien entendu la difficulté qu'il y a aujourd'hui à former un gouvernement, donc j'entends bien, donc M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc cette difficulté est due tout simplement à ce qui s'est passé le 30 décembre 2018, ce qui a fait que... Rappelez-nous. Justement, le gagnant des élections n'étant pas M. Tshisekedi, comme nous le savons tous, et la communauté internationale est au courant. Donc on se retrouve dans une situation inédite, à savoir que le vrai gagnant des élections, qui était M. Martin Fayulu Madidi, va se retrouver dans l'opposition, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi. Vous dites qu'il y a eu fraude? Exactement, je parle bien des fraudes qu'il y a eu, qui a fait que M. Tshisekedi, Félix, se retrouve aujourd'hui à la tête de la nation. Donc quand vous n'avez pas gagné les élections, vous ne pouvez pas prétendre et encore moins être en position de force pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Donc ce qui est tout simplement, justement, une logique de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire 8 mois sans gouvernement. Un accord a été conclu entre le parti de l'actuel président et celui du précédent. En quoi va consister cet accord et comment va se faire la répartition des postes ministériels? Mais c'est là où il y a toute la difficulté. Vous venez de dire qu'il y a un accord qui a été signé. Un accord entre celui qui y est sorti, l'ancien président qui est M. Kabila, et celui qui a été choisi justement par l'ancien président sortant, et en lui montrant bien entendu que vous n'avez pas été victorieux aux élections qui se sont déroulées. Et donc, vous comprenez très bien que quand vous n'avez pas gagné, que vous n'êtes pas en position de force, on vous impose tout ce qu'il y a. Donc, en ce qui concerne les accords, je ne saurais pas m'étaler là-dedans puisque je ne suis pas dans l'enceinte de ce qui s'est passé. Mmh. Mais on peut déjà en déduire que ce sont les accords, justement, qui ne vont pas dans le sens d'aider notre peuple à retrouver cette liberté comme nous l'entendons. Des observateurs évoquent une trahison pour les populations congolaises. Vous êtes de leur avis?
Tout à fait. Si nous rentrons un tout petit peu en arrière avant les élections de 2018, le mois de décembre, Félix Tshisekedi ainsi que les autres leaders donc, de partis politiques se sont retrouvés à Genève. Mais bien avant cela, au mois de septembre à Kinshasa, il y a eu un grand meeting qui a été fait par tout le président de ces partis, y compris lui-même, M. Félix Tshisekedi, où il a été question de désigner un seul candidat pour représenter l'opposition et où M. Tshisekedi lui-même, donc Félix, j'entends, a dit de sa propre bouche que nous n'allons pas vous trahir. Il se retrouve que Genève avait décidé autrement. M. Martin Fayou le fut choisi comme étant candidat. Et donc, puisque nous parlons des trahisons, la trahison venait de naître de la part de M. Tshisekedi ainsi que Kamere qui s'était écarté de cette coalition. Alors le gouvernement devrait officiellement être annoncé le 12 août. Vous pensez qu'une sortie de crise est proche? Je ne parlais pas de sortie de crise. C'est la crise entre les deux personnes qui se sont liguées contre notre peuple, contre la volonté de notre peuple. Donc ils vont se mettre ensemble pour que les 12 août prochains puissent... Donc ça va mettre fin à cette instabilité politique? Non, ça ne va pas mettre fin à l'instabilité politique. L'instabilité politique, madame, dure dans notre pays depuis 1960. C'est justement le fait qu'on refuse de reconnaître justement la volonté du peuple qui est manifestée à travers les urnes depuis 1960 et cette instabilité continue. Donc ce qui va être présenté le 12 ne sera pas la stabilité, mais justement la continuité d'instabilité parce qu'ils ont rejeté, refusé de reconnaître la volonté du peuple. Alors justement, et puis ça sera le mot de la fin, on s'attend à une rentrée politique sociale et tendue puisque l'exécutif a promis des mesures. Beaucoup estiment qu'elles ne vont pas pouvoir être appliquées à cause de leurs coûts excessifs. Vous pensez qu'on peut à nouveau basculer vers une nouvelle instabilité politique? Mais nous y sommes déjà dans cette instabilité politique. Donc vous n'avez pas de, vous n'êtes pas optimiste, vous pensez qu'elle va perdurer, quoi qu'il arrive, malgré la présence d'un nouveau gouvernement, malgré la présence d'un président élu? Ce n'est pas question d'être... Même si vous dénoncez son élection? Ce n'est pas question d'être optimiste ou pas. C'est question de voir est-ce que les règles ont été respectées. La Constitution a-t-elle été respectée? Non, pas du tout. Donc ce qui va sortir, ce ne sera pas la stabilité. Bien entendu, sans pour autant m'étendre, il suffit tout simplement d'étendre l'oreille pour savoir déjà ce qui se passe au niveau de la présidence de la République, les détournements, la corruption. Donc je ne pense pas qu'il y aura la stabilité. Bernard Kabeya, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes opposant et ancien représentant de l'UDPS en France, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup. Merci madame. Kabou ya kopé sanga postete, ba flatter bazali ebélé, ba te ebélé belé ba komilengele. Ba lingité ko lo ba vérité. Mais le kola biso ba faucon toujours ko lo ba vérité. Kabou ya azalaki candidat na akoma député a échoué. Lelo yo totala, ce qui totali na balance. Bakoti ya président Fatih Ekiti. Ekiti po nanine. Ekiti po IDP sa komi kokumi sa kaka Kabila. IDP sa zako sala azako. Kokumi sakaka alliance na yena FCC. Ezali président Fatih Muntu akoko ya kuna alongo kuna te na ndenge Ye Muntu akoko ya kuna te abando ko expliquer batu ya IDP ou bien peuple congolais te. Ezali sikoyo ba cadre ya IDP musala ya na bango ezanini. Ya ko expliquer peuple congolais et pa inini toza ko kenena ba alliance oyo. Nini président, vision ya président ezani na alliance oyo. Et pas inini toza ko kene na alliance oyo. Peuple congolais a comprendre, a zongi sa confiance, et pas ya mokonzi ya mboka. Mais c'est le contraire. Toza ko mona cadre ata mokote, toza ko mona muntu ata mokote, oya aza ko expliquer, omoni muntu oyo akendeki na kan luka wana.
bomone bato ebele bazako landa ye babeti maboko pourquoi parce qu'il parle langage du peuple soki yo ozako loba bato bavotaka mutu po anini otuni peuple bolingi nini obiso to linga kaka eloko songolo pakala yo dirigeant yo cadre yo soki oza président yo soki nani landa voix ya peuple landa o iloko yo peuple balingi. Mais si quoi y a au peuple congolais balingite alliance y a FCC na cash. Mais si quoi y a au cadre y pèse Moussa na bangonin. Moussa na bangon ils allaient y a quoi expliquer tout le monde tout le monde a bas séance moko y a misa les oko salama. Bah comme attaquons na campus. Bah quoi qu'on de quoi expliquer parce que bah matinée politique tout ça comme on a mis colo ils allaient. Ma matinée politique nous c'est à Kabou ils allaient kakake et monto a tombé la FCCT et monto oh yako le bas contraire y a alliance Kachina FCC monto na koko mawate oh Kabila Azali partenaire Nabiso ce n'est pas ça batubalingi koyo kakombo a Kabila te batubalingi koyo kakombo a Kabila te yango na ba cadre ya IDPS. Na tango tozako kende kokitaka. Tozako kende kokitaka. Binonde bato boko ko expliquer que IDPS ke ko sala alliance kuna pourquoi? IDPS ekoko kuta na kuna pona nini? Ba liste bimi awa ya lukuta. Ono ministre de défense Kabila Zoui. Oh boy na boye. Batu bakoki ko expliquer peuple congolais ezali ba cadre ya IDPS. Pona ko motiver peuple congolais, pona ko rassurer peuple congolais, pona ko de omone batu nyonso tango président Fati a kotaki na pouvoir 100% sauf un peu bandoki. Batu nyonso espoir bazaya na espoir na président Fati. Mais si ko yo moi espoir de komi kobima et comme ko kende ndambu ndambu. Ezali pona nini? Po batu ya ko expliquer peuple bazalité. Merci la régie pour cet élément que vous venez de suivre, l'analyse qu'a fait monsieur Bernard Kabeya, lui qui est l'ancien et puis représentant de l'IDPS. Vous avez suivi ses analyses. En fait, en suivant ses analyses, apparemment il devient un opposant de l'IDPS. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il n'est pas content de ce qui se passe au niveau de l'UDPS, de ce qui se passe au niveau de notre pays. Voilà, vous avez suivi ces analyses. Il a été reçu sur le plateau de RT France, le plateau du journal télévisé il y a quelques semaines. Voilà. Que pensez-vous de cela? Voilà, actuellement, il y a l'article que je vais lire pour vous. RDC, Félix Tshisekedi rejette la liste des Ilunkamba. Je vais lire rapidement ce qui est écrit dans cet article. Décidément, le gouvernement RDC ne sera peut-être pas pour cette semaine. Le président Félix a refusé, mais crédit une première morture du gouvernement entendue depuis 7 mois en République démocratique du Congo, estimant qu'il ne respectait pas assez la parité et les renouvellements des générations, selon une source proche du premier ministre. Le chef de l'État a invité le premier ministre à visiter la liste de l'équipe gouvernementale qui lui a présenté, a déclaré ses proches du Premier ministre Sylvain Ilunga Kamba. Le président Tshisekedi a fait observer au Premier ministre que la liste ne respecte pas la recommandation sur la représentativité des femmes et qu'elle ne tient pas compte de l'équilibre entre les vieilles figures de la politique de notre pays et les jeunes, a-t-il ajouté. La source. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui ferait peut-être retarder encore la confirmation et la publication officielle du gouvernement de notre président, son Excellence Félix Tshisekedi. Nous continuons toujours à suivre ces dossiers pour savoir qu'est-ce qui ferait retarder le gouvernement après au moins presque 7 mois. Et nous tendons vers 8e mois, le gouvernement n'est pas encore sur place, n'est pas encore officialisé. Mais du moins, selon les sources que nous avons connues, vous et moi, vous connaissez quand même qu'il y a au moins 65 membres du gouvernement qui vont diriger ce pays.
vraiment un gouvernement qui serait un peu gigantesque, selon les analyses des autres, n'est-ce pas? Les uns plutôt, les autres diraient que ce sera peut-être une perte, ça va demander encore tant de budget pour payer tous ces membres du gouvernement, les ministres, les vice-ministres, les sénateurs, les assemblées nationales, tous les membres du Parlement, tout ça. Donc, et la question se pourrait poser peut-être où aurait l'argent dans les caisses de l'État pour payer tous ces mondes-là. Et pourtant, la RDC est un pays qui est riche, mais les gens ou la population vivent dans une pauvreté que nous ne pouvons plus expliquer. Et nous demandons, nous nous posons la question, pourquoi c'est gigantesque de tous ces membres du gouvernement. Si nous voulons un peu référer un peu aux pays qui nous appelons des grandes puissances, les États-Unis, la France et tant d'autres pays européens, et si nous voyons un peu la composition de leur gouvernement, on se pose tant de questions, pourquoi seulement 65 ministres dans le gouvernement de notre président Félix Tshisekedi? Pourquoi ces choix-là? Mais pour le moment, le président n'est pas content de la liste que le premier ministre lui a proposée. Selon lui, il n'y a pas d'équilibre, n'est-ce pas? C'est comme si on privilégie ceux qui ont fait la politique, qui étaient avant, n'est-ce pas, dans les gouvernements anciens du président Joseph Kabila, l'ex-président Joseph Kabila. Et apparemment, ce sont les mêmes figures qui vont encore répliquer, revenir encore pour diriger, pour travailler ensemble avec un monsieur. Félix Tshisekedi. Un dossier s'ouvre, chers amis internautes, branchés connectés sur www.congo dialogue. Nous avons voulu juste vous faire cette analyse live ici à partir de l'Afrique du Sud dans notre émission Espace Dialogue, là la réflexion et la connaissance se rencontrent. Vous êtes la bienvenue à émettre aussi vos points de vue, poser des questions, suggérer. S'il y a des sujets, par exemple, concernant la position de notre pays, vous êtes aussi la bienvenue. Nous voyons plus la forme ainsi que le fond. Nous regardons cela à la loupe pour voir où en sommes-nous. Où allons-nous avec le gouvernement de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a-t-il l'avenir de notre, est-ce qu'il y a-t-il vraiment un avenir dans notre pays avec les 65 membres du gouvernement? Aurait-il quand même changé quelque chose de nouveau dans notre pays? Est-ce qu'ils seront quand même en mesure de faire ce que le gouvernement de Joseph Kabila n'a pas pu faire? Ce sont des questions que nous allons nous poser dans quelques semaines, dans quelques jours, et pourquoi pas avant la fin de cette année. C'est vrai, les gens disent qu'il faut qu'on donne encore le temps, n'est-ce pas, au président Félix Tshisekedi. On va quand même lui donner le temps. Bien sûr que c'est presque, nous en avons vers 10 mois depuis qu'il a eu le pouvoir en place, depuis qu'il est, et il a été bon, élu président de la République. Quelqu'un m'a fait rire, Abi Bolowa. Les gens continuent à dire que Martin Fayulu, le président élu, mais ce sont les mêmes personnes qui déclarent, qui se plaignent, n'est-ce pas, pourquoi gouvernement Zobimate. Voilà, donc c'est ça un peu juste pour nous faire rire. Bozo, c'est Bozo, il est là, mais président Bozo, il a fallu le président élu. Mais Kabino Mobozo est là pour un gouvernement Zobimate. Donc c'est un peu contradictoire. Voilà, c'était juste une parenthèse. Voilà, maman Francine Gabé de la Belgique, nous voulons juste vous éclairer un peu, vous amener un peu à penser plus. Et pourquoi ces retardements de la confirmation officielle du membre du gouvernement qui vont travailler avec son Excellence président Félix Tshisekedi? Je suis vraiment ému. Et une réflexion vraiment les plus profondes à ce que M. Bernard Kabeya a soulevé lorsqu'il a été reçu sur le plateau de RT français. Voilà, moi c'est Joseph Bola International. Bon, que pensez-vous, vous, chers téléspectateurs? Didier Kunga, au niveau de Bruxelles, au niveau de Suisse, que penses-tu? Attendons-nous toujours? Y a-t-il un avenir lorsque le gouvernement sera officiellement annoncé? Ceux qui seront peut-être dans les différents ministères, nous attendons, qui seront là, parce que jusque-là, on n'a pas encore eu la confirmation des noms ou des personnes qui vont occuper tel ministériel, n'est-ce pas, ou tel ministre, qui sera ministre de tel, qui sera ministre ou vice-ministre de tel. Il y a seulement ce que nous connaissons, il y a au moins 65 membres du ministère, et puis il y a au moins 80% de membres qui viennent de FCC, et il y a au moins 25% ou 15% de membres qui viennent différentes plateformes aux partis politiques, disons du côté cash bien sûr, parce que cash n'est pas seulement Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, il y a aussi tant d'autres personnes aussi qui feront aussi partie de, qui font partie bientôt plutôt de ces cash. Voilà. Et y a-t-il un avenir? Réfléchissons ensemble. Est-ce qu'il y a réellement un accord que M. Félix est en train de suivre pour respecter? À mon humble avis, moi je trouve que depuis qu'il est au pouvoir,
il y ait quand même un vent, une atmosphère pacifique dans le, sur le territoire de notre RPI. Mais ce qu'il y a quand même des tensions au niveau de l'Est, comme d'habitude on a connu, c'est la même chose. Quand Joseph Kabila était là, il y a eu toujours des tensions. Mais dans l'ensemble, nous voyons voir comment, parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que la nation tout entière est en train de pleurer parce qu'il n'y a pas assez d'argent, l'économie ne tourne pas bien, les gens pleurent, il n'y a pas assez de traits de boulot, tout ça. Il n'y a pas encore d'emploi, tout ça. C'est vrai que c'est un travail qui ne sera pas fait du jour au lendemain. Voyons voir, let and wait and see, comme on dit en anglais, c'est que l'avenir nous réserve. Du moins, on a quand même des nerfs tendus. Nous avons toujours le sens positif qu'il y aura quand même des bonnes choses qui vont arriver dans les jours à venir avec monsieur le président Fatih. Alors, accordons-lui encore la chance, bien sûr, mais nous sommes là, éveillants toujours, voyons voir. C'est que le gouvernement va, ce qui nous sera donné, va faire. Et nous allons revenir dans nos partenaires encore pour réfléchir si réellement ces hommes et les femmes qui seront officiellement annoncés membres du gouvernement vont quand même apporter un changement ou une reconstruction ou un état des droits, comme on dit, on attend un état des droits dans notre pays RDC. Voilà, merci à vous, chers amis internautes, abonnez-vous toujours massivement sur Congo Dialogue. Merci à maman Francine Ngembe de la Belgique. Maman Francine, nous sommes là, on tient toujours les coups. Congo Dialogue toujours en avance. Et voilà, nous vous remercions. Grand merci à Francis Bambongo, les bourgeois. Grand merci à Samuel Tabiala. Iwalet magique, Samuel Tabiala, Iwalet magique, merci à toi. Merci aussi à Didier Kunga qui ne nous cesse toujours pas de vraiment un grand merci à toi, Didier Kunga, à niveau Suisse, qui continue toujours à émettre aussi vos questions, vos suggestions. Ils sont toujours le bienvenu. Merci. Facebook, c'est José Bolois. YouTube, c'est Congo Dialogue. Merci à ma petite fille Joyce Bolois qui était derrière la caméra. Et grand merci. Jusqu'à un prochain numéro, restez toujours branchés, connectés. Continuez toujours à nous communiquer. La conversation continue. Ne manquez pas ou n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, vos suggestions sur nos numéros affichés sur vos petits écrans WhatsApp. Restez branchés.